L'objectif de la réunion, c'était d'aller plus en profondeur sur la collaboration entre l'EPAM et la Première Dame sur les sujets en particulier de la sécurité alimentaire et la nutrition. Ça va être un plaisir pour l'EPAM et un honneur de travailler avec Madame la Première Dame pour collaborer sur ces sujets. Et c'est vraiment impressionnant de voir son engagement fort et déterminé pour contribuer à la sécurité alimentaire et la nutrition au Burundi, qui à la fin sera une contribution pour les futurs deux pays. Et alors nous avons parlé de comment réaliser cette collaboration, comment est-ce que le PAM peut appuyer ses efforts dès la Première Dame. Et aussi dans le cadre de l'OPDAT, c'est l'organisation de Première Dame de l'Afrique pour le développement et dans le cadre de cet engagement sur la sécurité alimentaire et la nutrition, nous avons discuté de possibles lancements des cantines scolaires de cette année. Avec la présence de la Première Dame et peut-être avec des invités internationaux pour montrer l'importance des cantines scolaires pour la sécurité alimentaire, la nutrition, l'éducation, la protection des enfants et aussi pour les agriculteurs au Burundi. Nous avons identifié une possible date pour cet événement et ça va être vraiment un honneur et ça va être seulement un des premiers pas de cette collaboration qui va être tellement fructueuse et sur la sécurité alimentaire et la nutrition.